Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Merci. Bonjour, chers amis. Comment importer $GO$ dans votre portefeuille Trust Wallet? $GO$, c'est minage gratuit comme Satoshi. Retirable. Tu peux aussi les swapper en selo et puis vendre. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur le projet, les liens se trouvent en bas d'inscription de la vidéo. Une fois que vous terminez de s'inscrire, il faut d'abord passer les cahiers graissés et vérification faciale avant de pouvoir miner. Comment importer vos pièces $GO$ dans votre portefeuille Trust Wallet? Je rentre au niveau de mon portefeuille Trust Wallet. Vous voyez, voici mes pièces $GO$ ici. Là, vous voyez. Vous voyez. Il n'est pas encore pris de valeur comme ça, mais bientôt il va augmenter. C'est le réseau Celo. Comment importer vos pièces $GO$ au niveau de Trust Wallet? Une fois dans Trust Wallet, vous allez cliquer ici. Vous voyez, paramètres. Logo paramètres. Voilà. Vous allez cliquer au niveau de portefeuille. Après cela, vous allez cliquer au niveau de plus. Vous voyez plus. Je suis au niveau de Trust Wallet comme ça. Si vous voulez la vidéo. Ici, vous allez cliquer en juste un portefeuille existant. Ok? Faut pas cliquer créer un nouveau portefeuille. Il faut cliquer au niveau de ajouter un portefeuille. Voilà. Ici, vous allez cliquer au niveau de phrase secret. Voilà. Suivez bien. À ce niveau, vous allez écrire Celo ici. Celo. Réseau Celo. Voilà. Celo. Voici Celo ici. Vous allez sélectionner Celo. Ici, Trust Wallet ne permet pas que vous allez voir. Parce que c'est cassé. Mais suivez les exemples. Là, ici, c'est phrase de récupération. Ici, c'est clé privée. Vous allez cliquer au niveau de clé privée. Voilà. Une fois cliqué, vous allez aller dans votre l'application $GO$. Une fois ici, vous allez cliquer les trois traits en haut. Voilà. Et vous allez cliquer ici. Ici, il y a My Wallet Address qui veut dire mon portefeuille adresse. Il y a aussi clé privée. C'est ça qu'on va copier. On va copier clé privée. Voilà. C'est ça qu'on veut.
Là, vous allez cliquer ici pour copier. Voilà. Cliquez ici. Voilà. Une fois copié, on revient sur Portefeuille Trust Wallet. Sélectionnez là où il y a clé privée. Vous voyez? C'est ça, vous allez sélectionner. Après cela, vous allez coller clé privée ici. Il y a une clé privée. Comme vous ne voyez pas, c'est pour cela que j'ai fait comme ça pour vous montrer. Après cela, vous allez cliquer restaurer le portefeuille. Vous voyez? Restaure le portefeuille. Et une fois que vous cliquez sur restaurer le portefeuille, vous allez tomber sur cette page. À ce niveau, vous allez aller copier l'adresse des jetons de GoDollar venez ajouter. Pour le faire, je rentre au niveau de WhatsApp. Voici l'adresse des jetons de GoDollar. Voilà, je vais copier. Une fois copié, je reviens sur Portefeuille Trust Wallet. Voilà. Pour ajouter, vous allez cliquer ici. Cliquez au niveau de plus. Vous allez coller l'adresse ici. Voilà, vous voyez qu'il y a nom et puis symbole décimal. Vous allez cliquer au niveau de importer. Voilà. En même temps, vous allez voir que vos pièces GoDollar vont s'afficher ici automatique. Ok? Là, chaque fois que vous réclamez, ça vient ici directement. Là, ceux qui veulent maintenant transférer leurs pièces à quelqu'un d'autre personne peut le faire. Ceux-là qui veulent aussi les swapper, peut les swapper. Voici les liens qui va vous permettre de swapper. C'est ça comme ça. Voilà. Comme ce n'est pas encore pris de valeur comme ça, c'est mieux de miner. Chers amis, c'est tout la vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pour ne pas manquer ma prochaine vidéo, il faut abonner. N'oubliez pas aussi de liker. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous.